Alors, Kéké, ce soir on joue. Ce soir, Maxime, on joue à Ancenis, on joue au théâtre Quartier Libre, et avec un peu de chance, il y aura du monde. Oh, tu filmes. Et Ancenis, c'est où? C'est là où t'as grandi, Kevin. Non, moi j'ai grandi à Saint-Géron, Maxime. Ouais, mais c'est pareil, c'est le même. Ça n'a rien à voir, Maxime! Prends les allumettes, au cas où les projos s'allument pas. Ouais. Pendant mes passages, moi je mets toujours des boules caisses parce que sur le moment du parapente, si je suis trop fort, ça m'éclate les tympans. Les rires? Du coup, je prends toujours des boules caisses. Ok. Ça, c'est des beaux plateaux aussi. Comment ça se passe en fait? C'est une formule. T'as vu ce plan cinéma là? J'ai mis le téléphone dans le plateau. La caméra, c'est le plateau. T'as vu comment je fais des efforts? C'est incroyable, Maxime. C'est vrai? Non. Ouais, ça a l'air bien. Prenez ce que vous voulez. Ok. Jean-Michel Bobo, il fait quoi là? Bah, mais je paye en même temps. Fricassé de poulet à la bière. Allez, les légumes, ça va monter, bien sûr. Bah, le poulet pour moi alors. Tu veux quoi, du poulet? Fricassé. Tu sais qu'au spectacle samedi, quand je fais la vanne sur le fait qu'une dame nous a confondus, je me suis chauffé, j'ai fait. Sachez, je tiens quand même à préciser, j'avais les cheveux longs avant qu'ils les aient. Et il y a des gens qui ont fait oh, en mode c'est sur Inato, Maxime. Chacun a sa scène. On devrait faire carrière que dans une salle. Tu penses? Tu trouves ta salle et tu fais carrière tout le temps dans la même salle. Bah alors, t'en penses quoi, Maxime? Basile, qu'est-ce que tu fais là? Bah non, c'est parce que Kevin il est parti pisser, vu que je l'imite bien. Ah, mais les gens ils vont s'en rendre compte, ils sont pas cramés. Mais ils crameront rien, Maxime! Il y a des salles où t'es moins à l'aise que l'autre. Après, quand t'es drôle, hein. Ouais, c'est ça, et en fait, du coup, t'as le théâtre à l'excès. Et la réciproque est vraie aussi, quoi. Bon? Merci. C'est ici que tu travailles, Kevin? Tu m'arrêtes de tes histoires? C'est drôle. T'as dit quoi? C'est une belle salle. Soit on a le truc, on arrive, soit un peu gêné. Il y a deux options, tu vois. Ben, il faut qu'il y en ait un qui soit péchu. Ce sera pas moi. Quand moi je m'excite, ça fait un peu peur. Tu parles pour le bidon de la présentation. Ouais. Toi, t'en mets quatre, ouais, t'en mets un, soit pas. Ben, en fait, il faut vraiment être dans l'impro et balancer de la punch. Oh. Enfin, ah ouais, ben, ça marche, tu vois. Ouais, ok. Oh, génial. Super. On a tous, donc, on a tous ce pouvoir de parler. Bah, très fort. Ouais. Très, très fort. Ouais. Et il y a juste Maxime. Mais je peux la jouer sans. Hein. Je peux la jouer sans. Sinon, tu pourrais faire à l'entraide pendant qu'il n'y a pas le public, meubler un peu, tu sais. Comme les mecs qui jonglent pendant les mi-temps des matchs. Ouais, ouais. Tu pourrais faire ton set pendant l'entraide. Ouais, je pense que ça serait mieux comme bah ça. Bah ouais, comme ça on perd pas de temps. Tu au bar, pendant que les gens commandent. Ouais, ouais. Moi, ça me paraît bien. On est méchant avec les filles des honneurs. Non, c'est pas être méchant, c'est juste que. Alors le secret du stand-up, Maxime. C'est quoi? Je m'en veux de t'avoir dit le truc. D'un coup t'as 80 personnes qui ont débarqué, tu vois. Ah mais d'un coup, hein. Ça le truc qui me pète les couilles, j'ai déjà vu, mais je connais tout le monde. Tout le monde. Je disais à Max, imagine tu vois, tu joues devant ton ancienne prof. T'arrêtes Kevin maintenant. Et son autorité elle est encore efficace, genre t'arrêtes vraiment et tu t'en vas. Le regard de quelqu'un qui te connaît, c'est beaucoup plus dur de blaguer. Parce qu'il va se dire, alors si tu mens, je vais le voir tout de suite mon petit pote. Ouais. La dernière fois que je me suis retrouvé dans une salle comme ça, aussi grande qu'autant de monde, il y avait 450 personnes dans la salle, c'était blindé. C'était un concours de jeunes talents, mais moi j'étais dans le public. Et... ouais. Début de carrière. Cette dame, elle avait un long poil blanc, là.
j'ai approché ma main, j'ai tiré le pouce. C'est mieux comme ça, madame. Alors, ça va, on vous a bien reçu en plus, vous avez eu un petit bar, des artistes plutôt sympas, on s'occupe bien de vous, vous pouvez vous applaudir et applaudir l'organisation du spectacle, s'il vous plaît. C'est vrai, putain, plaisir de revenir jouer à Saint-Gervais. À 300 mètres de la maison. Ah, en Sny, ah, ça commence, putain, les gars. Géographiquement, le McDo, il est à Saint-Gervais, mon pote. On en parle, le Buffalo. Merci, Maxime. Tu travailles là depuis combien de temps, Maxime? Bah moi j'ai fait tout le spectacle ici, pour les gens qui sortaient de lycée, je leur proposais un demi. Et il m'a dit j'avais pas fait assez bien pour avoir un cachet, et ça serait bien que tu fasses des petites heures en plus à la tireuse. J'essaie de mériter. Ok. Tu t'en veux combien? Et tu prends du plaisir? 12 maximum. 12 Monsieur Chapeau. Eh hey, France Inter, viens par là. Eh hey, France Inter. Eh bien. Ah, comment avez-vous vous vécu cette soirée, Alexis? Bien. Le public, bon, c'est pas parce qu'ils sont là, mais... Évite le profil. Ouais, bien. Ok. Moi, je le dis, Alexis, t'as fait un gros carton. Cool, merci. Tourne. Alors, si on remet en situation alcool plus Cola Maillard plus quelqu'un qui connaît pas les règles, c'est la merde. Je suis bon. Moi. Ah ouais, moi je suis bon. Mais lui, ça bouffait Kevin. Ah oui, attends, Alexandre. On fait encore 2-3 tours. Allez, c'est parti, on va se cacher. Attendez, vous êtes cachés ou pas? Ouais, on va. Vas-y, 3, 2, 1, 2, 3. Mais non, mais attends, on fait un cache-cache, vous me dites 1, 2, 3, moi je suis là. 50. Non, c'est le Cola Maillard. C'est le Cola Maillard. Bon, on retourne. 1, 2, 3. Putain, il connaît pas les règles. 1, 2, 3, soleil. Merde, il connaît pas les règles, putain. Il connaît pas les règles, fallait expliquer. J'ai les yeux bandés. Oui, bah. 1, 2, 3. Le Cola Maillard, tu gardes le truc sur tes yeux et faut que tu trouves les autres les yeux bandés. Mais là, il y a des gifs. Ça s'appelle moi quand j'essaye d'avancer dans la vie. Mmh.